we don't. Comme ça. Hop là. Hop là. Hop là. Da 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 da. Da 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 da. Hey! Ah oui, c'est à la manette que je joue. Merde. Ah, j'avais oublié. C'est moi ou on n'entend pas le son du jeu? Ah si, le son arrive après. Les malins, ils montent crescendo dans la... ce qu'on appelle un fondu entrant, dans la technique sonore. Petit à petit, le son augmente. On entend ce qui se passe. Appuyez sur A. Ça se joue donc à la manette. À la manette des jeux du démon. Oh, et l'intro, l'écran titre, il est beau. Hein. Graphiquement, c'est très joli. J'aime bien. Ça fait presque même entrée de temps, vous savez, le tout premier Tomb Raider avec Lara Croft. Alors, jouer. Aventura, parce que l'aventure, c'est l'aventure. Ah mon dieu, qui vais-je incarner aujourd'hui? La petite dernière que j'ai sauvée? Oh, elle est rigolote, allez. La petite dernière que j'ai sauvée, on dirait une bohémienne. Zou, direct. Attention, la descente infernale, elle ne remontera plus jamais. Et là, je pars pessimiste. Comment va-t-elle mourir? Je suis tellement mauvais à jeu que je suis obligé de partir pessimiste. C'est triste quand même. Bon, allez. Concentration. Ça commence mal. Je fais pas ce que... Oh non! Le jeu est déjà méchant d'entrée de jeu. Je rappelle qu'il y a beaucoup de... Je pensais me rattacher à le 1, bon, crotte. Je pensais me rattacher à l'échelle, moi, pas tomber à portée du 1. Oh là 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 là, faut déjà que je révise mes classiques. Tiens. Tiens, mange la flèche. Où est-ce qu'il en reste? Oh, je fais nappe. Burp. It's a flash, an arrow in your face, en bon anglais. Une flèche dans ta face. Ouais, mon cheveu fait nimp. Ah! Monsieur Blondinet m'attend en bas. Allons-nous pouvoir l'atteindre? This is the question. This is a question. Ouais, non, tant pis pour les lingots. Oh, les salopards. Mais non, mais... Ah! Merci. Oh, il y a une... Ah, merde, il y a une caisse de matos, mais il faut faire usage d'une bombe pour y accéder. Attends, attends, la blonde. Attends, 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 attends. Ouais. Il y a des richesses avant toi. Je te récupérerai comme bien plus tard. Bon, vous pouvez voir, aujourd'hui, je suis déchaîné. Hein. Je suis d'excellente humeur. Je vais vous faire mon clown du matin au soir. C'est un scandale. Allez, viens avec moi, beau gosse. Du, du, du. Hop là. Ouais, je vais pas sacrifier une bombe pour la caisse. Comme c'est de l'aléatoire, je sais pas si ça vaut le coup. Les zoubis, les zoubis, les zoubis. Alors, je rigole avec le coup du bisou, mais ça donne une vie supplémentaire. Donc du coup, ça me dédommage du, hein, du truc de la flèche où j'ai mal calculé mon coup. Ça a son importance, les zoubis dans la vie. Et ben, je vais lancer une bombe du coup. Voilà. Bon, bon, moi j'ai un peu de thunes là-haut. Ah, ça m'ouvre un accès. J'avais pas vu par avance, mais c'est un avantage. J'ai rentabilisé ma bombe là. Dommage. Non, je vais pas m'acharner. J'ai pas de gain, je vais pas m'acharner. Ça sert à rien. Ah, si je peux descendre. Elle, forcément, elle m'a vu. Merde! J'ai merdé mon...
Ah, j'aime pas cette config. Voilà. Oh, la blonde est un chien ici. Mais je vais réussir à déclencher cette... Bougu du gubeu. Hop là. Merde. Ah, je me suis touché. Merde, merde, merde. Je suis mauvais. Je suis mauvais. Et ah, marchand, j'ai pas vu. Je ne sais plus jouer. Je crois que je vais me faire guaquer. Oh! Oh la vache! Vous avez vu l'intensité lumineuse? Je suis à la lumière halogène, ça s'est subitement affaibli. Et oh merde, c'est le chien capé. Ça veut dire qu'une ligne électrique a été touchée avec la foudre en amont de chez moi. Enfin, en amont. Du côté du nord de la Lorraine, là où il y a justement une centrale électrique. À mon avis, la ligne haute tension vient de déguster un éclair. Donc ça a secoué tout le réseau électrique de toute la ville. Alors ça, c'est certain. Ah! Et non, au secours! Elle va me croquer dans le cou! Dans le cou, à coup de coutelle doux. C'est pas un assassinat doux. Je... Voilà. Je dis n'importe. Merci, monsieur le marchand. Nous sommes souvenus des épisodes précédents où il n'était pas bon de fâcher monsieur le marchand. Merde, le fantôme, il est là. Ah! Vite, le chien. Vite, vite, vite. On se barre. On ne peut rien faire contre El Gigante Fantôme Blanco de la Muerte. Je sais pas parler espagnol. C'est limite si, sans le savoir, je parle espéranto. Allez, où Alors, j'adore faire joujou avec les caisses pirates explosives. Mais, comme on dit, hein, jouer avec le feu... Mais, voilà. Merde! Oh, j'avais oublié qu'il pouvait s'animer. Mais oui, mais bien sûr. Oh, quelle naze. Bien fait pour ma tronche. Ah, oh, la faute de débutant. Je sais pas ce que je vais faire péter en bas. Mais je l'ai fait péter. Ah, tu vas mourir. On va tous mourir. Ah, je m'attendais pas à ce qu'elle pète. Je m'attendais à ce qu'il meure écrasé, mais pas à ce qu'elle explose. Bon, bah, je viens d'apprendre une leçon. Ok, je savais pas que la règle du jeu était ainsi. Bon, bah voilà. Une nouvelle chose apprise. Oh, joli. Ah merde, ça a pas déclenché la... Hop, merde. Ah, pas mal. J'ai essayé de sauter par anticipation, mais... C'est moche. C'est très très moche, ce qui est en train de se produire sous vos yeux. En plus, je sais même pas où est la blonde. Ah, près de la blonde. Ah ben là, j'ai rien. Je vais pas y aller, j'ai que plus. Oh, je te marche dessus, l'araignée. La chauve-souris. Non! Oh, tu me rajoutes serpent pour serpent. C'est moche. C'est muche, monsieur Dem. Ah, la blonde est là. Oh ouais, non, la blonde, désolée. La blonde va mourir asséchée. Hein. Enfin, blondinet, là. Manque de bol, c'était un beau gosse. Ah! C'est dégueulasse. Ah, cette mort ridicule en rebond sur les araignées. Ah oh non, au secours. Ah bien. Oh. Une cache à matos m'est offerte. La boussole qui indique l'arrivée. Enfin, qui donne la localisation de l'arrivée. Par contre, pour ce qui est du reste, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Non. Oh.
Il faut vraiment que je révise mes distances dans le jeu. Je joue comme une quiche. Une quiche, Lorraine. C'est délicieux. Hein? Non, je me barre. J'ai pas de gain. Je vais me barrer. Pas me battre avec la chauve-souris. On entend encore le tonnerre gronder au loin alors que l'orage se barre au nord. Attends, mais je suis condamné à me péter une cheville là. Le moins. Merde, mais quel abruti! Oh, oh, je suis mauvais. Ouais, non, j'en ferai rien. J'entends le chien, je crois. Allez. Parce que tunasse. Il nous en faut de la tunasse. Bah voilà, tiens, s'il y a un marchand, je pourrais lui acheter des bambes. Je lui achèterai des bambes. Hop. Nous avons le chien à sauver. Oh la vache, et le jeu est généreux. Ça cache quelque chose. C'est un dédommagement. Oui, plutôt du côté des gros lingots. Ah! Oh! Ouf! Ah oui, mais là, je suis obligé de jouer une corde, là. Alors, attends. Tant qu'il n'y a pas le fantôme. Vite. Je vais voir ce qu'il y a dans la jarre. Cadeau. C'est bien. C'est apprécié. Alors, hop, le chien. Tac. Tac. Et je me barre. Le reste, me. Voilà. Ça vaut pas la peine. Je me fais la malle. Et je me fais la malle. Eh, pas mal le butin. J'ai pris le temps d'écumer la mine à ce niveau-là. Pas mal, pas mal. J'ai le coffre au cadeau. 800 dollars. De pierres précieuses. Ah. Est-ce que j'ose faire usage d'une bombe pour m'ouvrir la voie? J'ai envie de dire oui. C'est quoi ça? Ah bah. On parle de bombes. 3 bombes offertes, c'est offert par la maison. Ça va, il n'a pas eu bobo. Alors, beau gosse, on n'a pas eu bobo. C'est ça qui classe. Allez, viens avec moi. Viens, je t'emmène. Wow, la descente, je l'aime pas du tout. Je vais peut-être faire péter une bombe pour descendre ailleurs, mais où? Oh la vache! Oh merde, allez, je vais vraiment profiter que j'ai des bombes, mais ça craint quoi. Oh là 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 là. Ça, on rappelle, hop hop hop, allez, joli, bien. Merde, le gain est intéressant, mais le danger l'est tout autant. Il va pas y aller pour moi, ça se fait pas. Pourquoi j'ai pas de projectile? Putain, mais j'ai zéro projectile en fait, à part une bombe. Merde, mal lancé. Oh le con. Merci, il va y aller pour moi. Désolé. Ok. Vas-y. Oh là, comment je maltraite le mec. Mais... Ah, je sais plus jouer. Voilà. Ok. Ah, attention. Oh! Il y a des bruits chez le marchand alors que le fantôme arrive. Merde, j'ai trop flâné. J'ai trop flâné dans le niveau. Vite, bon, merci, au revoir. Attends, je vais essayer de guaquer le fantôme. Tiens, le fantôme, mange la jarre. Et là,
t'es là. Hop là, subterfuge. Ah, vilaine chauve-souris. Eh, pas mal. Pas mal. Et c'est pas souvent que vous me verrez guaquer le fantôme. Là, je peux me vanter d'avoir réussi une bonne manœuvre. C'est bon, j'entends plus le tonnerre au loin, ça s'est calmé. Là, l'équipement, je m'en fous. De toute façon, je suis ruiné. Ah, génial, j'ai 27 bombes. Et j'irai faire la bomba. Je sais pas comment, d'ailleurs. Je vais faire péter les araignées, je pense. Oula, attention. Pas mal. Joli. Oh, ce combo anti-araignée. Ah merde, on a une qui m'attend là. Dommage. J'ai beaucoup aimé ce que je viens de faire. Je suis fier de moi. Oh là là. Oh là là. Comme ça. Ou pas. Comme ça. Voilà. De la chance d'avoir des bombes. Merde, le chien est mort. Je peux ignorer le chien. Attends, mais comment je... Oh merde, j'ai la chance d'avoir du matos. Allez, fais péter. Ouvrons la voie. Essayons de nous faire de la thunasse par la même occasion. On privilégie les petits fragments de... Oh là là, il y a déjà... Oh là là. Le cadeau, je sais plus ce que ça fait. Oh non, c'est dégueulasse. La grosse araignée au-dessus de l'arrivée. Et puis les piques en dessous, non mais bien sûr. Non mais... Bah tiens, si je peux faire... magnifique. Ah non, pas magnifique. Merde, je l'ai pas eu. Non. Oh la vache. Hop, vite. Je suis pince. Je suis pas insoutenable. Aïe aïe aïe. Ah, on entend encore un petit peu des grondements au loin. Mais là, l'orage, j'ai peur que ce soit pour Dragon Sky. Hein, par rapport à sa localisation géographique. Une pensée pour Dragon Sky qui doit être en train de déguster. Allez, on la tente. Là, ou de la fortune, ou de l'infortune, ou de la moelle. Vous avez... Ah, le jackpot. Merci, messieurs. Ah, je vous vénère. Merci, messieurs. Ah, ah, ah. Oh, elle bouge du boule, elle, quand elle fait... Ah, caution. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle avait... Ah, l'autre, elle me croque. Oh, 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 l'autre, il veut essayer de me... Merde, attends, comment je fais, là? Ah. Joli. Joli, mais dangereux. Oh, bonne mère, il y a quoi en dessous? Oh, il y a plein de choses. Bam. Magnifique. Merde, je peux pas sauter. Je peux pas sauter parce que le truc va me... Oh, joli. Joli, mais là... Ah. Je ne sais pas quoi faire. Il y a des choses... Oh, magnifique. Il y a des choses dont j'ai pas la clé. Il y a encore... Oh, ah, il y a la blonde. Elle va me briser. Merde. Ah, je pensais pas avoir un impact pour la blonde. Je suis désolé pour la demoiselle, c'était pas souhaité. Attends. Mais non, mais je voulais pas la violenter. Oh, en foutant mon grappin en l'air comme elle était sur moi, la malheureuse. Ça lui a foutu un coup dans le menton là. Oh, c'est abusé. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Non, allez, lapin du gars va me... Il faut que je sois raisonnable.
Ah, j'arrive déjà à la jungle. Ah, je suis pas trop mauvais sur cette session. Oh, il faudrait un miracle pour que je traverse la jungle et que je découvre la zone suivante. Mais bon, je vais essayer, j'ai bien essayé de rester concentré. Oh non! Avec un malus d'entrée de jeu. Oh, alors déjà en temps normal, la mine classique dans le noir, c'est pas top. Mais alors la jungle dans le noir, laisse tomber quoi. Oh, ça fait peur. Oh mon dieu! C'est la mine du démon. Oh, on peut voir des bijoux de blondage plus bas. Je sais pas quoi faire. Il y a un seul meuble là? Ah oui. Oula, attention. Merde. Satané. Alors des bisous. Le boudoir de Ron, c'est combien le bisou? C'est... Oh, ça coûte cher. Mais bon. On va essayer de maximiser nos chances de... Lui, je l'aime pas. Elle non plus, d'ailleurs. Non! Non! Elle a échappé à mon tir et j'ai perdu ma torche. Non, mais c'est quoi ce gangbang? C'est abject. Attends, et puis une fois que j'aurai... Je pourrais pas revenir. Oh, c'est... C'est impossible. Vite! Oh non, l'autre, elle s'est accrochée sur le tiki. Oh là là, mais c'est trop dur. Oh, ce faux espoir que le jeu a nourri, c'est honteux. C'est honteux, remboursé. Bon, alors, je suis un abruti, je voulais pas descendre à l'échelle, mais c'est fait. Ah, si, j'ai 2-3 bricoles. Mmh. Ouais. Mon plus gros gain est peut-être le caillou. Parce que s'il faut que je provoque un truc via projectile. Cette araignée de mes deux. Voilà. Ah oui, ça vaut peut-être le coup que je. Joli. J'ai un abruti qui sait pas conduire là, qui vient de démarrer en trombe dans le virage devant chez moi. Ah, c'est embêtant. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Est-ce que ça vaut le coup d'aller en bas? Oh, oh, je veux la tenter. Je veux la tenter. Oh, on va faire un gros boom. Chakalakabo. Non, 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 je veux garder mon caillou, voilà. Fous-le en bas. Oh, oh! Ah ouais! Ah ouais, sympa! C'est le lieu dit de l'atelier, j'allais dire. De l'entrepôt abandonné. Ah ouais, ah ouais, l'atelier abandonné. Oh yeah, oh yeah, on en voudrait. Oui, il y a des caisses. Il y a des caisses de matos, donc oui, je vais y aller. Rentabilité maximale. El professeur. Vite, avant que... Que le fantôme de la moelleté m'emporte. Titi. Ah, le voilà. Oh. Ah oui, ça permet de l'escalade intelligente, je crois. Les godasses de... À crampons, là. Mais très bon gain. Très bon gain, le tableau, là. Très, très bien. Une léchouille. Une vie bonus. Alors, pas trop de thunes, mais du matos. Donc, je ne m'en plaindrai certainement pas. Oh.
Mince, le marchand ne propose pas de bombe. De toute façon, j'ai plus de thunes. Enfin, je n'ai pas de thunes. Alors... Hop là. Il faut que je me barre d'ici. Je me suis viandé comme un caca. Tout va bien. Merde, il y a une araignée, mais il y a une caisse. Hop là. Ah, il y a la blonde. Qui prend la forme d'un chien. Cette fois-ci. Aouh. Par avance, pardon. Ah, ça va. Il a pas eu de bobo. Il a pas eu les éclats de la bombe. Toi aussi, un jour, tu iras faire la bombe. Allez, zou. Oui, l'araignée, je la voyais mal. L'araignée, je la voyais... Attends, où est la sortie? Ah, elle est là, en bas. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais faire usage d'une bombe. Ici. On attend. On redescend. Nickel. C'est du travail de professionnel. Lui, je l'écrase. Ah, vilaine araignée. Je veux voir ce qu'il y a au bout. J'ai le temps d'explorer le tableau. Non, mais j'y arrive. Je vais y arriver. Oh. Qu'est-ce que de Vanderglude, c'est tout? Oh, je suis déception. Je m'attendais à plus de richesses. Les mines du roi Salomon. D'ailleurs, ça doit tourner dans ce sens-là, normalement, sur la fin. Plus le niveau de difficulté est élevé, plus le tableau est composé de richesses, je crois savoir. De mes vieux souvenirs d'il y a des années, des premiers joueurs qui étaient speedrunners, là, ceux qui pètent les records. Alors, j'ai jamais vu la vraie fin en vidéo. Et par contre, j'ai déjà vu une fois la mauvaise fin, la plus facile. Parce qu'en fait, il y a un vrai boss qui est planqué, mais il faut le provoquer, faut faire un truc particulier dans la mine. Enfin, bref. Avec moi, vous ne le verrez jamais. J'aurai jamais de niveau. Je n'y crois absolument pas. Oh, les chaussures à crampons. Ah, vilaine chauve-souris, elle va me faire suer. Et puis il y a monsieur Sadomaso qui veut me bouffer le cul, là. Gros, dégueulasse. Ah, au secours. Ah, redeviens mort, toi. Bonjour, Christella. Ouais, l'orage est passé. Ouais. L'orage est passé et donc j'ai fait mon ouverture, ma réouverture d'antenne tout à l'heure sur Keronos. Et ma ville, Nancy, a été, mais alors, foudroyée de bout en bout. Il y a eu le passage parfait. Tout a été balayé, il n'y a aucune exception. Tout le monde y a eu droit. Et là, en ce moment où on fait le point, je pense que... Enfin, au moment où je parle, je pense que Dragon Sky est en train de déguster dans sa région. Là, c'est son tour. Oh! Oh, oh, oh! J'ai eu chaud! Mais qu'est-ce que c'est de ce niveau? Attendez, excusez-moi, je reviens sur le jeu parce que là, il me... Le cerveau me... Enfin, le jeu est en train de me retourner le cerveau. Oh merde, il y a une grosse araignée au-dessus. Il y a monsieur Sadomaso qui est là-bas. Allez, blanc, montez donc. Oh, mais il est chiant, là. Voilà. Va chez le marchand. Si t'es encore en vie, gros vilain. Va le fouetter, le marchand, il aime ça. Oh merde, l'araignée est réveillée. Oh, une machette. C'est la machette de la moelle. Et toi, je vais te sauver. Oh, alors moi, par contre... Aïe. Ouais, non. Je pouvais pas gagner le duel. Je pouvais pas gagner le duel. Elle va revenir ou pas? Parce que l'animation continue dans la mort. Ah, elle va revenir. Ah, ah, ah! Je voulais la voir mourir. Avec le rebond de mon cadavre.
Vengeance post-mortem, c'est beau quand même. J'ai des configurations de tableau trop bizarres. Oh non! Vilaine chauve-souris, bouh! Va mourir! Et c'est la mort qui t'aime ceci. Ah! Ah! Voilà. Faut que je continue de lire le tableau là parce que. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que cette configuration de chiottes? Attends. Ah bah tiens, c'était un squelette annulé. Ouais, je me disais bien qu'on lançait à l'être merdique. Ah! C'est intéressant. C'est très intéressant. J'abandonne le joyau. Qu'est-ce que c'est que ce... Beans. Attends, j'espère que la blonde n'était pas au-dessus. Attends, j'ai... Ah merde, je crois que j'ai loupé la blonde. Bah. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas vu la blonde ou je suis un débile profond? Ou alors la blonde était en haut à gauche du tableau dès le début? Bon bah tant pis, hein. Vu la config du truc, je vais me barrer. Je vais pas camper, hein. Je vais pas camper sur place. Elle a l'air maligne la chauve-souris. Non, c'est dégueulasse de mettre une araignée. J'ai zappé avant. Vous le dites, hein, les copains, si vous avez des envies de jeux en commun. On va peut-être essayer de se faire un flat out. Je vois des noms. On va peut-être essayer de se faire un flat out tout à l'heure en commun. Oula. Ah! Ah! J'aime pas cette configuration. C'est trop bizarre de voir le caillou suspendu. Ça c'est fait. Ah, marchand. Ah, mon marchand favori. Terroriste. Ah non. Ah, bon ça va encore. Bon. Oh, oh, nous avons les choses. Nous avons les choses. Ah, il y avait une araignée dans la jarre. Nous avons des choses interdites. Alors, comment je vais gérer la vilaine? Comme ça. Dorota, bonjour Christella, comment vas-tu? Oui, j'étais impoli. Très bonne question de Dorota, qui est un authentique John Cloman comparé à moi. Et oui, comment vas-tu Christella? C'est vrai que je t'aime pas demander avec la chaleur que t'as subie de ton côté. Comment vont tes filles aussi? Cannelle et... Je suis un abruti fini. C'est désespérant. Alors attends. Je vais m'offrir un projectile de fortune. Ou pas. Ah oui, la grosse pépite, elle ne refuse pas. Bien reposé, ça va très bien et toi? Ok, bon c'est bien. C'est cool que tu ailles bien. Les filles vont très bien aussi. Ok, c'est cool. Voilà, c'est vrai qu'en cas de forte chaleur, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Mais... Oh,
je suis un abruti. Je suis un abruti. Je ne sais plus viser, tirer, tout ce que vous voulez. Hein? Bon. C'est scandaleux. Nya. Nya, 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 nya. Gros orage. Ouais, ouais, ouais. Bah, au moins que tout le monde ait du rafraîchissement, c'est cool. Mais ça a bien pété. Pour moi, là, tout à l'heure. Le bassin nancéen s'est fait rafraîchir en une demi-heure chrono, quelque chose de bien. J'espère qu'il n'y aura pas eu de dégâts, parce que il y a des détonations, il y a eu des frappes au sol. Je verrai dans le journal ce soir s'il y a eu un inventaire de dégâts divers. Le plateau de Malzéville, hein, il y avait presque 20 impacts de foudre sur le plateau de Malzéville. Donc c'est vous dire sur mes hauteurs à quel point ça a dégusté. Pa 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 la pa la. Et avant que j'oublie de vous le dire, quand je vais faire ma pause déjeuner vers les 13h tout à l'heure pour Miami, je reviendrai pas avant 14h30. Parce qu'à 14h, je vais me faire appel de la famille. Oh, mon cadeau favori, 12 bombes. Je vais appeler la famille pour prendre des nouvelles. J'ai envie de dire jour férié oblige. C'est l'occasion rêvée pour moi de faire le point. Avec la populace. Non, non, non. Son crâne, lui, va me servir. Merde. Ah, j'ai pas la notion de la distance avec le... Ah, un hôtel de Kali, ça faisait longtemps. En bas, là, de Sacrifice. Voyez, voyez où. Ouais. Non, je vais pas utiliser une bombe pour ça. Attends, je vais mettre ma bombe. Voilà. Bon, bah au moins je me suis ouvert une voie d'accès. Je sais pas si elle vaut le coup, mais... Il vend quoi, lui? Ouais, bof. Ah, la boussole, ça peut être pas mal. Ouais, allez, c'est toujours ça de prix comme instrument de navigation. De l'or, une grosse araignée. Donc la sortie est par là. Oh, merci de zoomer vers le bas. Le jeu qui me respectait plus là. Non, je peux sacrifier le chien si je veux. J'en ai l'opportunité, c'est horrible. Je sais plus ce que j'ai en échange du sacrifice du chien sur l'hôtel de Kali. Je sais plus du tout. Bon, attendez, je vais être abject, mais on va essayer. Elle vous accorde une offrande, mais je sais pas c'est quoi. Ah, c'est la chaussure à crampons qu'elle m'a donnée. Je sais pas. Ce qui fait suer, voilà, c'est la grosse araignée. D'ailleurs, attends, il y a quoi là-bas? Oh, puis il y a l'autre qui arrive. Non, il y a deux lingots, laisse tomber. L'escroquerie absolue. Ah, je suis un monstre. Et j'ai sacrifié le chien pour Kali. Oh, calmos, sadomaso. C'est bien qu'il soit dans sa grotte là. Merde, c'est ingérable. C'est clairement ingérable pour récupérer la bombe là. Voilà, j'ai aggravé la situation. Encore que. Attends, j'ai plein de bois. Oh, joli! Ah, mes mains, je tue. Je crois qu'il fait plus wouhou. Excellent. Oula, oula, oh, il y a des choses qui m'intéressent. Oh, 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 oh. Je convoite des choses. Waouh, il y a tous les hôtels réunis là. Par contre, il y a du peuple. Ah merde, l'araignée, ça aurait été bien. Quoique, elle est gérable. Honnêtement, elle est gérable.
Hop là. Par contre, les chauves-souris, je vais pas aimer. Les chauves-souris. Oh! Je l'ai fait. Ah merde, il y a un marchand. Ah, qui vend des bombes. Ah, grosse vilaine. Mais je ne résiste pas à semer le chaos. Attendez, je vais me garder un caillou sur le... Est-ce que je peux fâcher Kali avec un caillou sur son hôtel? Non, ça fait rien. Le test est intéressant. Ouh, ah bah voilà, j'ai semé le chaos et la destruction. 1700 impacts de foudre en Corrèze, des domiciles qui ont plus de jus. Tant que c'est plus de jus, ça va encore. Mais il faut pas que des, tu sais, des toitures partent en fumée ou qu'il y ait des électrocutés. Mais ça, je vous l'avais déjà dit, hein. Même le fait d'aller aux toilettes sous un orage, c'est dangereux. Parce que le ruissellement des canalisations qui prennent la foudre, si vous êtes en train de soulager votre vessie au même moment, ça peut mal se finir. Il y a eu un truc comme ça, l'observatoire du pic de midi. Merde, j'ai mis trop de temps, je vais crever, tant pis. Mais c'était rigolo. Ah, je les ai tous tués. Encore que... Ah non, j'ai pas crevé. Oh! Il y avait deux mecs au fusil. C'est n'importe quoi. L'observatoire du pic du midi, ça avait été raconté par Hubert Reeves, le grand astrophysicien. Et en fait, ils étaient donc isolés, hein, donc à l'observatoire, sur le pic, et il y avait un orage. Et un de ses collègues en blouse blanche qui a eu la mauvaise idée d'aller aux toilettes au même moment. Donc, assis sur le trône, parce que la foudre a frappé le tuyau d'évacuation du pic qui était balancé dans le vide. Hein. Sauf que le ruissellement a fait que la foudre est remontée. Le long des canalisations, et il a eu le droit à une épilation intégrale, le gars qui était sur le trône, et il s'est assommé contre la porte. C'est le sursaut qu'il a eu en se cognant contre la porte, au niveau de la décharge, qui a alerté ses collègues, en fait, dont Hubert Reeves, qui était là pour en témoigner. Il a fini blessé léger hein, dans l'histoire. Mais non, ça déconne zéro les orages, faut vraiment pas... Oh, c'est tellement tentant. It's a provocation. Voilà. Fais le ménage, le boulet, fais le ménage. Alors, attends, il y a une clé, là. Je sais pas si la clé va me servir. Alors, elle a beau être lourde, la clé, je l'ai balancée, mais alors, comme un mouchoir jetable. Est-ce que je peux atteindre cette fichue araignée? Oui, non. Oui. Oui, non, non, oui. Oh merde, j'avais pas vu qu'il y avait un lance-projectile dans le... Oh! Oh! J'ai l'œil de Kali. Enfin, je dis l'œil de Kali, je sais pas si c'est le cas, mais bon. Ça me permet de voir, vous voyez, je vois les joyaux dans les blocs de terre. Comment je récupère le... Non! Je peux pas récupérer mon butin, non! Rendez-le-moi, c'est scandaleux. Oui! Merci. Eh oh, je m'attunasse, moi. Merde! L'autre il m'attend. Ah merde! Petit règlement de compte. Bonjour Momoka. Ah. Il m'a vu. Ah! Bon, règlement de compte, il a eu ce qu'il voulait. Violence! Ah, il y avait... Oh, relais de chaîne! Ah, pardon, j'avais pas vu que c'était un relais de chaîne. Merci, mon casque, très gentil. Eh ben, c'est rigolo, tu me fais un relais de chaîne à un moment où je reviens après l'orage. Bon, ça fait déjà...
ou presque une heure, que c'est passé. Bah, j'espère que tu vas bien, mon Moka. Merci, c'est adorable. T'étais sur The Last of Us, hein, je présume. Je présume que tu continuais ton vécu de The Last of Us. Ouais, le DLC, ouais, le contenu additionnel. Et c'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. La dernière zone du DLC en réaliste. Oh vache, ah oui, tu déconnes zéro, Momoka. Eh bien, c'est bien. C'est bien. Ha! La blonde est là-bas. Oui, ça fait bizarre de souhaiter la bienvenue, oui. Mais c'est sympa. Sympa, on se met en lumière les uns les autres. Oui, prochainement, je me ferai une joie à mon tour de prendre l'appareil, comme on dit, Momoka. Non, c'est moche ce que je viens de faire. C'est vraiment moche. Allez, hop. Ah merde, elle n'est pas descendue là où il fallait. Non, pas la blonde. Oh, l'araignée, évidemment. Alors, attendez, voilà. Là, il n'y a rien. La Jed. Bonjour, la Jed. C'est pas comme ça qu'on pécho les princesses. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Chauffe les Shadow Mazo. C'est le mec qui essaie de justifier par le mal. Aïe, aïe, aïe. Ibi. Bon, bof, bof. Là, j'ai été très brouillon. Ouh. La clé du coffre d'entrée de jeu. Mais que signifie... Mais que signifie cette tentation? Ah, j'ai pas de thunes. Tu mériterais que je t'agresse direct. Oh, joli! Ah, oh, dommage. J'ai cru que j'allais me barrer avec les bombes gratos. De toute façon, il m'aurait poursuivi dans les niveaux suivants. Allez, c'était pour le délire. J'essaie de jouer une dernière fois sérieusement, puis après, je pense que je vais passer à du flat out. Qu'on va peut-être essayer de se faire en multi, si le cœur vous en dit, ou alors on attend l'après-midi, vous me dites. Comment vous le sentez. Le serpent, il est pas connu, là. Oh! Oh la vache, une coque pour ça? Non. Non. Il y a quoi en bas? Ah, la config, elle est trop bizarre. Attends. Elle, je la sens pas du tout. Mais alors, pas du tout. Oh, elle va me gaver, l'araignée, là. Elle va me gaver de bout en bout. Voilà. Ah, c'est pas comme s'il y avait... Merde, je crois que j'avais la jarre. C'est pas comme s'il y avait... Oh, puis il y a une caisse de matos. Attends, je redépose la bombe qui va regagner un peu de son indépendance. Ah, magnifique. Une boîte de 12 bombes. Je signe tout de suite. Ça, c'est OK. Je peux descendre. Alors là, je suis interrogatif. Bon, le chien n'ira pas loin. Il y a plein de toiles d'araignée. Le paquet surprise, j'ai jamais compris à quoi ça correspondait. Combien t'as mis? 1700 impacts de foudre en Corrèze. Oh la vache. J'ai relis ce que tu écrivais tout à l'heure, Torota. Oh non, mais c'est décembre de la mort, c'est pas pour moi. Allez, j'ai 16 bombes, je vais en profiter. Oui, bah je vais descendre poliment ici. Ah bah attends, je vais déposer le chien. Ou alors je lance la bombe de là. Eh, joli.
C'est comme ça qu'il fallait faire. Ouais, je l'ai tenté et ça a marché. La sortie est où? Je sais pas. Tant pis, je vais mettre le chien là. C'est là où on va voir que je me suis planté. Nope. Non! J'ai trop flâné! Non! Le fantôme de la moelleté m'a déjà retrouvé. Lui aussi d'ailleurs. Oh bah je suis foutu là. Oh non! Puis où est-ce qu'il est allé dans les limbes l'autre? Oh non! Mais c'est ma première gangbang partie, c'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Et là, je sais pas, ah dommage. Je me demande si à un moment je pouvais pas me contourner par le dessus, mais non. Bon allez, on sent la fatigue s'installer. Le jeu bouffe pas mal les nerfs et demande pas mal de concentration. Donc je vais passer à autre chose.